Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez pas mon allure, je suis pas maquillée, rien. Regardez, c'était une journée relaxe. Je reviens de l'épicerie. J'étais allée premièrement chez Camille parce qu'elle revenait aujourd'hui, elle avait été en voyage. Mon amie Camille, que vous connaissez bien, qui était dans mes vlogmas comme chaque jour l'année passée. C'est ça, je reviens d'aller faire l'épicerie. Si vous avez pas suivi comme mon Instagram puis mon Snapchat, vous saurez pas, mais je suis maintenant en appartement. Oui, un appartement à moi toute seule. Je suis contente, je l'aime bien. Je vais pas vous en montrer trop, là, vous voyez un petit peu en arrière, mais en tout cas, je vais faire un apartment tour. Donc, mais là, il me reste encore des boîtes à défaire, puis tout ça, fait que je vais attendre que ce soit comme cute avant de. Ben, cute. Le mieux que ça peut être, avant de vous faire visiter. Fait que c'est ça. Mes parents et ma soeur sont venus m'aider à déménager, puis sont déjà repartis chez eux. Et c'est ça. Donc, j'étais allée à l'épicerie, j'étais allée au Canadian Tire, puis au Pharmaprix. Puis, au Pharmaprix, je voulais vous montrer mon achat parce que je sais pas si je ferai genre d'autres vidéos achats beauté, sûrement, là, mais en tout cas, en attendant, je voulais vous montrer, je me suis acheté le Butter Bronzer de Physician Formula. Puis là, il y avait un rabais de 6 $, puis la fille, elle m'a dit qu'il fallait genre que j'envoie ça par la poste, whatever, pour savoir mon argent. Puis là, quand j'ai lu, c'est pas vrai pantoute, c'était elle qui aurait dû me faire mon rabais. Fait que je suis un peu fâchée. Ben, j'aurais pu avoir parce qu'il était quand même 19,99 là, plus taxes. Mais bon, regarde, faut que je garde un bon karma. Donc, je vais l'ouvrir. Il est vraiment cute. Tout le monde en parle tout le temps sur Internet. Là. Surtout Kathleen Light, ça m'a beaucoup parlé. J'en aime full. Physician Formula, que l'emballage est tellement beau. Là, genre, waouh. Ça va qu'il sent bon aussi. Oh my god, il sent genre la crème solaire à la noix de coco. Fait qu'en tout cas, c'était chez Pharmaprix. J'ai senti d'en avoir dans les Walmart du Physician Formula, mais moi, honnêtement, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y en avait pas. Fait que je suis vraiment contente de mon bronzer, j'ai hâte de l'essayer. J'en ai pas beaucoup des bronzers. C'est pas un achat, c'est pas comme quelque chose que j'achète beaucoup, là, mais j'aime ça quand même. Tu sais, lui, il adore vraiment ce passe chouette. Au Canadian Tire, j'ai acheté des couteaux parce que, oh my god, je vais aller vous chercher. Là, il y a une fleur de banane parce que sur le chemin du retour, j'ai mangé une banane. Je vais aller vous chercher les couteaux que. Ma famille m'a emmené parce que mes parents, genre, ils m'ont emmené des. Ben, il y en a d'autres qui sont là-bas, là. Mais comme, j'ai juste des couteaux comme ça, genre, qu'on avait en camping, ça coupe trop mal. Celui-là, il est pas si pire, mais il y en a des plus petits, genre, avec des dents. Ça coupe tellement mal. L'autre fois, je coupais des avocats, puis j'ai failli me trancher la main en deux, puis j'ai genre un couteau à pain, là. Lui, il doit aller bien, mais. C'est ça. Fait que j'ai pas des super bons couteaux. Il me reste encore des petits affaires à m'acheter au fur et à mesure, là. Mais c'est que, tu sais, j'avais comme rien, je partais de rien à part mon set de chambre, comme mon lit, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'était comme beaucoup en même temps. Fait que au fur et à mesure, j'allais acheter d'autres trucs. Mais là, je voulais full ces couteaux-là, puis ils étaient en rabais, 10 $ de rabais, genre, chez Canadian Tire. C'est les Star Frites. Je les trouve vraiment bons, ceux-là. Il y a plusieurs de mes. Ben, il y a Camille qui les a. J'allais dire plusieurs de mes amis, mais je sais pas, on dirait qu'il y a plein de monde qui les a, puis comme ils aiment bien, là, puis ils ont leur petit cover, puis tout. Fait que, il y a comme un couteau sans tocu, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas non plus à quoi ça sert, c'est comme le gros là. Camille, t'es comme, on dirait que c'est pour couper de la grosse viande, genre rouge, tu sais, pas cuite, toutes tes végétaliennes. J'étais genre, ben, je sais pas, là, pour des sushis ou quelque chose peut-être, je sais pas trop. Lui, c'est un couteau de tout usage, il y a un couteau à parer et un couteau de chef. Fait que, c'est ça pour mon petit kit de couteau de chez Canadian Tire. Puis ensuite de ça, on est allé au Maxi, l'épicerie la plus proche de chez nous, parce que moi j'habite vraiment proche de chez Camille maintenant. La plus proche, pas mal, c'est un Maxi. Fait qu'on est allé voir ce qu'il y avait. Moi, je suis un peu déçue parce que, ben, tu sais, comme la première épicerie que j'ai faite de mon appartement, c'était au Super C. Puis il n'y en avait pas beaucoup aussi, comme des produits Garden, tout ça, comme les produits, les fausses viandes, du tempeh, tout ça. Il y a du tofu, mais j'en ai déjà en masse ici. Fait que. J'ai acheté des mini cocombes, c'était genre 3 paquets pour 5 piastres. Ça revenait à 1,67 puis genre, je suis addict aux cocombes. Ça sonne drôle, mais oui. Moi et Camille, on s'est tous les deux acheté des paquets comme ça de gruau. Moi, je mange jamais ça, mais ça a l'air que c'est full bon pour la santé, genre. Fait que je voulais essayer, puis là, il y avait comme un assortiment de plusieurs sortes. J'ai failli prendre érable et cassonade, genre juste une boîte complète de ça. Après ça, on a vu qu'il y avait une boîte parce qu'il y avait. 4 sachets d'érable et cassonade, 2 de cannelle et épices, puis 4 de pomme et cannelle. Ça veut dire que le pomme et cannelle est vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir si je vais aimer ça. Ça serait cool de pouvoir manger ça comme déjeuner parce que honnêtement, je mange tout le temps des toasts, puis de temps en temps des céréales, puis je commence à être un petit peu tannée. Ben, je me fais des smoothies aussi quand j'ai le temps, là, mais c'est ça. J'ai acheté des bananes, puis là, ils n'ont plus leur petit collant biologique, mais on a acheté les bio, moi, puis Camille, ils étaient genre 20 cents de plus à livre, mais comme.
Moi, j'essaie d'acheter bio le plus possible parce que ça me fait moins peur. J'en dirais que les légumes et les fruits sont moins shootés aux stéroïdes, puis ils ont de l'air moins chimiques. Puis en plus de ça, genre, c'est bien pour l'environnement. Il y a là le petit collant biologique. Mais par contre, c'est ça, il n'y a pas une grande sélection de les fruits et légumes bio, là, pour vrai. Pas grand-chose à part des trucs déjà en sac, genre des épinards et tout. Fait que j'ai pris un poivron, j'en avais pas. Poivron rouge, c'est toujours bon. J'ai pris deux avocats parce que j'aime juste trop ça. Puis c'était comme 3 pour 4 piastres. Mais j'en ai pas pris 3 parce que quand on en achète, on dirait qu'ils vermurent tout en même temps. Puis là, faut toutes les prendre en même temps parce que sinon, genre, ils deviennent bruns, dégueulasses. Puis il faut que tu les jettes. Fait que ça, j'aime ça, mettre ça soit dans mes recettes. Comme l'autre fois, j'ai mis sur Instagram la photo. J'ai fait des vermicelles. Non, pas des vermicelles de riz, il y avait des vermicelles de riz dedans. Mais j'ai fait des rouleaux de printemps au tofu, avocat, puis plein de légumes en tout cas. Fait que ça, même mettre sur mes toasts, mettre dans mes smoothies, j'aime bien ça. Fait que deux avocats. Et puis finalement, j'ai acheté un pot de beurre de peanuts. J'en ai de la marque que tout le monde a, là, avec les petits oursons, genre au chocolat. Mais là, j'avais envie d'essayer le Earth Balance. Puis ça, c'est, si vous connaissez pas, c'est une marque bio, là. Puis dans le fond, c'est le crémeux. Ah, je pensais que j'avais pris le croquant. Non, finalement, j'ai pris le crémeux. C'est beurre d'arachide des graines de lin. Fait qu'il y a des graines de lin à l'intérieur. Fait que c'est ça pour mon beurre d'arachide. J'espère qu'il va être bon. Fait que ça fait le tour de mes petits achats déjà de cet après-midi. Comme je vous dis, j'ai pas vraiment acheté grand-chose. Ouais. Puis là, je voulais vous montrer que je suis en train de lire ce livre-là. Oups. Je suis en train de lire La théorie du trait contour de Valérie Chevalier. Je suis rendue là. Oups. Là. C'est vraiment bon. Je l'ai dévoré jusque-là. Puis après ça, j'ai comme arrêté de le lire, mais faut que je recommence. Là, d'ici la fin de l'été, je veux le finir. Il est comme tout petit. Puis c'est vraiment bon. C'est une super. C'est vraiment une écriture que j'aime. Ça me fait penser à ce que Sarah Maud Beauchesne écrit. Comme le style d'écriture un peu. Mais pas. Tu sais, c'est pas exactement pareil, c'est pour ça que j'essaie de dire. Mais ça ressemble. Tu sais, c'est publié aussi chez RTB, ça fait que ça n'a aucun rapport, mais bref. C'est ça, c'est des petits chapitres courts. Puis, oh my god, ça s'est plié! Oh non, c'est dans mon sac, genre. C'est des petits chapitres courts, puis c'est genre. C'est vraiment chouette, fait que je vous le conseille si vous cherchez une petite lecture québécoise. D'ailleurs, je pense que le 12 août, c'est la journée, j'achète un livre québécois. Donc, je vous encourage vraiment à y participer parce qu'il faut encourager nos auteurs québécois. Bon, j'ai fini de faire ma petite épicerie. Ça me tente de continuer le vlog. Là, je vais me faire à souper dans pas longtemps. Je sais pas il est quelle heure. Faut que je cherche mon cellulaire. Où es-tu, cellulaire? Je peux vous montrer aussi que j'ai changé mon étui. Là, j'ai comme un sac de linge sale qui était chez Camille. Ben, qui est à moi, mais qui était chez Camille. Ah, oh, il est où mon sel? Ah, oh, il est là. J'ai changé mon étui d'iPhone. Ça vient de Justin Bieber. Ouais, il est 5h. Ah, il est pas tard. Fait que je vais peut-être pas. Ben, j'ai pas dîné, j'ai juste déjeuné. Fait que j'ai vraiment faim. Fait que je pense que je vais commencer tout de suite à faire mon souper. Je vais manger un hamburger végétarien. En fait, végétalien, excusez. Puis, c'est ça qui est ça. Fait que. Restez à l'écoute si vous voulez voir mon hamburger. J'ai parti mon ventilateur parce qu'il faisait trop chaud, mais je voulais vous montrer ce que j'avais déjà chez nous. Fait que j'ai, comme je vous dis, des burgers végé, j'ai des croquettes de faux poulet. Ça, c'est un sirop cerise, en fait. Des bagels, du pain, des pains hamburger, de la glace et du sans viande. Ici, j'ai des fruits congelés. Ils sont vraiment bons, ceux-là, le mélange d'été, là, pour mettre dans les smoothies. Full bon! Puis ensuite, dans mon frigo, j'ai de l'houmous au fond, du sambal au lait pour mes recettes. Des petites carottes en morceaux, là. Du ketchup, du bouillon de légumes, de l'eau avec des citrons et des limes dedans, des pommes, mon reste de salade de hier. J'ai acheté, oups, on voit pas, j'ai acheté une salade d'hier puis je l'ai pas tout mangé. La mayo végétalienne de Hellmann's, du beurre végé, encore des pommes, la sauce là-bas de chez Eau Vive qui est passée date, faut que je la jette. Du thé glacé, des petites tomates bio, du tofu bio, une petite salade de fruits, du tofu à la grecque pour remplacer le feta, des fraises, une tomate, des puddings de soya. Et ici, j'ai du reste de tofu que j'ai pas tout cuit aux fines herbes. De la salade romaine, des bouteilles d'eau, sauce soya, lait d'amande, eau de coco. Ici, j'ai du basilic et de la ciboulette.
Ça, c'est de la sauce Alfredo vegan que j'ai acheté là, comme en magasin, puis j'ai mis le reste là. De l'huile de coco, de l'ail. J'aime ça acheter des gousses puis comme les couper, mais à chaque fois, j'ai tout le temps les doigts qui puent, fait que j'ai arrêté d'en acheter, j'achète ça à place. Puis ça, c'est... Je sais pas trop à quoi ça sert. Bref, j'avais eu ça en cadeau. Puis une bouteille d'eau, là, c'est cool mon petit rack à bouteille d'eau, hein. Bon. J'aime pas full ça, acheter des bouteilles d'eau, je trouve que c'est pas écologique, mais là c'est mon père et ma mère qui m'en ont acheté. Puis après ça, je vais m'acheter sûrement une Brita, là, une affaire qui est. Une bouteille qui filtre l'eau. Mais avant ça, je vais finir eux qui m'ont donné. Fait que c'est ça pour ce qu'il y a dans mon fridge. Puis là, il me reste comme 2 minutes, mais en tout cas, tant qu'à faire, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon garde-manger aussi. J'ai acheté plein de pâtes, toutes fausses, super six. C'était genre 99 cents, mais j'en ai acheté comme 3. Ça, c'était mes parents qui avaient emmené. Des spaghettini, hein, j'aime pas ça. En tout cas, j'aime pas les spaghettini, mais genre spaghetti comme ça, j'aime pas ça. Ah, qu'est-ce qui m'a emmené ça? C'est du spaghetti. En tout cas, j'aime pas ça. J'ai du spaghetti à donner. Du quinoa, il y a des sauces tomates, des feuilles de riz pour faire des rouleaux de printemps. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Du sel, les meilleures céréales végétaliennes. Des vermicelles de riz, comme je vous dis, le beurre de peanut. Ça, c'est du couscous. Du sucre bio, des graines de chia, du truc de... c'est quoi ça? Des granolas, c'est ça le beurre de peanut. Des coconuts râpés, de la farine au fond, puis là je pense que j'ai des pois chiches, puis un mélange de haricots. Puis ici j'ai mes thés, des cure-dents, du café, même si j'ai pas de cafetière. Fait que, oh, j'ai du cooking spray. Il manque de l'huile d'olive à acheter pis tout. Tu sais, comme je vous dis, il me reste pas mal d'affaires. Pis là, j'ai juste plus de temps pour vous parler. Fait que, je vais changer de carte mémoire. Ok, j'ai changé de carte mémoire. Pis là, je vous dis, là, j'essaie vraiment de monter le moins possible mon appart parce que sinon, ça va tout cacher le punch. Pas qu'il est genre magnifique, vous devriez pas, genre, faire des attentes élevées. Mais c'est ça, je peux juste déjà vous montrer mon ventilateur. Il faisait tellement chaud chez nous, je me suis acheté un ventilateur. Puis je l'ai monté moi-même. Il y avait des vis à visser. J'étais comme, oh hell no. Mais finalement, avec un couteau, j'ai réussi. Fait que, girl boss. Non, boss. Girl power. Girl boss. Yeah. Checkez comme j'ai plein de boutons ces temps-ci. Je comprends pas. Ma peau était full belle. Puis là, genre. Hell no! Ça y tentait plus. J'arrête pas de gueuler. Y'a aucun de mes voisins qui sait que je fais des vidéos sur YouTube. S'ils me voient, ils vont me trouver weird as fuck, mais je m'en fous! Je suis fatiguée. Je voulais commencer à faire mon burger, mais là, je me suis rappelé que ma poêle est au lavage. Ben, il va falloir que je fasse de la vaisselle avant. Fait que. C'est ça. Il faudra faire de la vaisselle, puis. Ça, j'ai ça, faire ça. Mais je vais mettre de la musique, puis regarde, j'ai pas le choix, je suis à ma part maintenant. Pas personne d'autre pour la faire pour moi. Je vous reviens après. J'ai fini ma vaisselle, puis c'était vraiment long. J'en avais vraiment plein. Ben, pas tant que ça, là, mais c'était quand même long. Puis après ça, genre, je me sentais tout étourdie. J'étais allée me coucher pendant un bon bout. Ben, pas dormir, mais genre. Checker mon sel, tout. Même si j'ai pas d'internet, c'est-à-dire que je suis tout en train de prendre mon LTE. Ouh, bordel. Faut que je demande à avoir de l'internet. Là, je sais pas si vous entendez, mais ma boulette est en train de crépiter. Je suis en train de faire cuire ma boulette. Puis mes pains à hamburger sont dans le grille-pain aussi. Puis c'est ça. Je vais vous montrer quand je vais manger. C'est à ça qu'elle ressemble, ma boulette. C'est la boulette Le Bon Burger Veggie de Eve Veggie. Donc, c'est disponible où est-ce qu'il y a le tofu dans les épiceries. Voilà, voilà. Donc, c'est ça que ça donne. Ma boulette est beaucoup trop grosse pour mon pain, mais j'ai de la laitue, tomate, mayo de chez Hellman, la soigneusement préparée. Il n'y a pas d'œuf dedans, en tout cas, bref. Puis du ketchup au fond. Donc, je vais manger. Bon appétit. Oh my god, j'ai tout fait chauffer mon pain. On est le lendemain matin. Hier, j'ai pas terminé le vlog, mais après l'avoir mangé, j'ai pris ma douche. Puis je me suis couchée à 9h15. Puis après ça, j'aurais pas dû faire ça parce que à 4h du matin, 4h30, genre, je me suis levée en sursaut. Puis j'ai pas réussi à dormir avant genre 6h. Puis après ça, ben j'ai dormi jusqu'à là, il est 10h, je viens de me lever. Je vais en travailler à 1h. Fait que là, il faut que je me fasse mon souper. Puis là, j'ai envie de me faire déjeuner, je vais me faire du gruau. Hier, j'ai acheté du gruau, comme je vous ai dit. Fait que je vais essayer celle-là à l'érable et cannelle. Non. Cassonade et érable.
Fait que, en tout cas, je voulais juste terminer le vlog. On se revoit là, dans un prochain vidéo. Je vous aime fort. Puis, c'est ça. Bye bye. Abonnez-vous.